Nakati midongo na kata weya Yuwobe pa na buma mbembe Nge taboso nani no Uwa nugu mbale Na iwele timbe ya wa Uto woye Wenge Nasipi nani na mende no pola Muto Suninga muna woni wo suninga Nakusi bebango jita Omuwaso mwadu talongoni Keka sona lenene Anuni munawo Yorubu nyabwa Na keke dimbe ya wadu Tipona Mpana poi uja nevwane Tungi nyana sibi pon Namaste,
Ça c'est une session vite fait. Hein. Dis donc, il n'y a pas les BH ici là, dans le quartier. Dans votre quartier, ah ouais? Ben y'a les cours. BH, tu vois? Ah ouais, c'est vrai, il faut vraiment mettre les cafés là, j'ai toutes les pistes de chaque instrument, guitare, puis tout ça, donc on peut les changer, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais de toute manière, il faut qu'on ait, je pense, un saxophone. Si j'ai écouté un peu ces derniers temps-ci, j'ai vu que c'est fort, tout pour entendre le saxophone. Ouais. Qu'on ait des sonorités nouvelles aussi, pas de violon, vraiment, violon acoustique et tout, quoi. Je pense que ça peut, pour les fans, ça peut leur donner une nouvelle perspective aussi. Tout du milieu là, les fans. J'ai vu, ils aiment souvent lever les mains, les yeux. On fait ça au milieu, on fait un rappeur qui fait un truc, et un animateur un peu. Oui. Oh, ouais. C'est. Et un beat vraiment dansant du début à la fin. Ouais. Il faut pas de repos, quoi. Ouais. Hein? Quand ça voit ça en boîte, comme ça, c'est. Tu as commencé cool là. La pression, mais ça peut ne pas commencer comme ça. Ça peut commencer qu'avec les voix. We know what to do, we won't delay. Malaria, stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria, must get out. Écoute ce buzz, les gens parlent. Tu sais que t'as oublié, maman. De prendre ta deuxième dose de traitement. Femme enceinte, femme enceinte. Ton enfant pouvait seulement parler, il pourra te dire, maman. Va à l'hôpital, maman, c'est tout ce qu'il te reste à faire. Va à l'hôpital, maman, malaria m'a mené à Wamba. On sait quoi faire, l'espoir pas. De la fièvre transpirant la nuit. Mère, mère, inquiète, tu espères qu'il ira bien. Ne tarde pas, suis ce que tu sais. Va faire le traitement. Ne sois pas là. Aïe, aïe, malaria, malaria. Wabande Mbagnolange. We know what to do, we won't lay. Malaria, stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria, must get out. On sait quoi faire, n'espère pas. Le paludisme, nous stopper. On suit tes rêves, et pas toi. Le paludisme doit s'en aller. Malaria, ma bamba, banana, bato. Et n'a la féconde ton alma. Yo ma gibo, wae. Yo ma gibo, wae. Et ma bamba, n'a ni que mon amour, pour mon amour, c'est le VIP. Aïe, yo, 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 Et pas toi, et pas le temps, 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 et
na mo bolongi elangi timo na mo bulu na mo se na ibi e no ma di bo wa e malaria e malaria e na wo no lango follow your dreams confided malaria must get out. Par rapport au projet qui se prépare, un petit mot, juste un petit mot. Bah, le... Par rapport au projet qui se prépare. Ah ouais, bah, le projet il est encore complètement tout au début là. On a mis le morceau, donc on l'a mis dans un disque dur, juste qu'on se, qu'on se familiarise tous plus ou moins avec le morceau. Et donc il va aussi travailler sur les paroles dessus maintenant. Et donc voilà ce que je peux dire pour l'instant quoi. Ah ok, on se connaît pas ici, on se connaît, on était encore... On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Lui était, il y a un quartier qui nous séparait en fait. Moi j'étais à Bonacqua, moi. On avait mon ami Combo. Et lui il était à Bonamti. De la salle et tout. Voilà. Donc c'est la même agglomération en fait. Tout petit, on se connaît. Oh ouais. C'est les mêmes quartiers. Tu es encore dans la musique, quoi. Ouais. Mais je connaissais pas ses talents de footballeur, par contre. Ah bon? Ah ouais, 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 j'ai vu là, mais. Dis donc, il a fait les jubilés là, mais attention. Bon, il va falloir comparer maintenant après, hein. Sauf moi si je m'en tiens aux États-Unis là, mais j'ai vu, il m'a fait peur quand même. J'ai vu des passements de jambes. Attention. Non, mais le projet va se faire tranquillement. Il va se faire. Mais on est au stade préliminaire, donc j'aime pas souvent en parler quand ça va, ça on va bien le faire. Okay. Tout le temps. Ouais. Madiba. Sengine miango mongo, masombo. Madiba. Na wa tombe yae otibae. Na watombe ya na muminu pepe. Natande na senga miango nde na linga penda. Katembiso nyube nika umbuse mbeche nembe bolo bongo. Natande na senga miango nde na linga penda. Katembiso jene nika umbuse mbeche nembe. Eh bien, je dirais tout simplement que c'est un privilège de recevoir un monument du monde d'Afrique, du Cameroun précisément, et du monde de la musique. Et un frère également, c'est tout un plaisir, comme il y a un moment, c'était Samuel Eto'o, c'est le personnage rare qui nous vient une fois comme ça en passant dans, sur les planètes. Il faut reconnaître ce que Dieu a béni, ce que Dieu a favorisé, il faut l'accepter. Voilà, donc c'est un plaisir très remarquable d'avoir reçu M. Richard Bonnard à la maison. Une chaleur familiale et tout. On a beaucoup de projets, on a des choses à faire. D'abord par un album qui va bientôt sortir, un single. Voilà. Et on en a parlé. Et par la suite, le travail va commencer. Et voilà. Donc c'est une bonne collaboration également. Pour les mélomanes, ils seront gâtés, ils seront très contents. Et pour le peuple, et pour le monde entier en général. Donc, il me manque des mots. Je suis ému également avec toute ma famille, vous avez vu, comment tout le monde est content. Et voilà. Ça devrait se faire comme ça. Vous savez, la musique est une âme très, très importante et une pesanteur, quelque chose qui adoucit le cœur. Il n'y a que ça qui nourrit l'âme.
bon, on n'a pas la chance d'appartenir à un pays aussi ouvert et compréhensif. Ici, plutôt, on ne décrit que des valeurs, surtout en culture. Les musiciens chez nous, on essaie de les mater, de les décrire, parce qu'ils savent que, voilà, s'ils ont leur place, comme au Ghana, comme au Nigeria, les choses vont changer. Moi, je souhaite qu'on nomme un monsieur comme Bichabouna, par exemple, ministre de la culture. Ne serait-ce que pour 6 mois, 8 mois ou 10 mois. Il n'a pas besoin d'un salaire, ni d'un logement d'État, ni des avantages, rien du tout. Je suis sûr qu'il peut le faire pour rien. 8 mois seulement ou 1 an, rien que. Ministre de la culture, Bichabouna, les choses vont changer. On aura des salles de cinéma, on aura des bibliothèques, on aura des salles de spectacle, on aura beaucoup d'infrastructures. Alors, le pays ne voit pas cela, les gens sont là, on maltraite chez nous, alors qu'ailleurs, il sort du Ghana, où il a fait un concert au Ghana, l'ancien chef d'État, Kofu, était dans la salle. Les places VIP étaient déjà bouclées, et le président Kofu l'a interpellé, l'a invité, l'a reçu. Et il lui a dit, voilà, je n'ai pas pu avoir accès à des places VIP, mais il s'est quand même procuré, lui et sa femme, des billets de 20 000 francs. Donc il était dans la salle, dans la foule, et non au premier rang. Vous voyez un peu la modestie d'un chef d'État, comment il se comporte envers un homme de la culture, un musicien, parce qu'ils savent ce que c'est. Ils savent que non, la musique c'est tous les jours, dans les voitures, sans les coiffures, un peu partout au monde entier. Et il est anormal qu'un pays tel que celui-ci, on ne puisse pas respecter ou accorder, ne serait-ce que, je veux dire, le nécessaire, élémentaire aux musiciens. C'est très malheureux, ça fait très mal, c'est trop triste et tout. Je l'ai souvent dit dans mes interviews, et Bolotin est mort, comment? Avec la haine, avec la douleur dans le cœur d'un pays qui ne reconnaît pas les valeurs. Francis Bébé a accepté qu'on brûle son corps à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'autant de promesses, rien ne s'est réalisé. Autant de choses. Mais espérons que ça va changer parce que Dieu est le seul maître de temps et que chaque chose a son temps et tout. Il ne pourra pas nous laisser finir comme ça. On sauve pour l'instant, mais un jour, il y aura un sauveur dans ce pays. Il n'est pas encore là pour l'instant, mais il y en aura. Et peut-être les choses vont se rétablir pour nos enfants, pour le futur. Je vous aime, bye. Merci. Merci.